Notre Père, omniscient, omniprésent, qui nous a tous créés, qui a créé l'univers, et qui, même en nous ayant créés simples et ignorants, c'est-à-dire sans science, nous a donné un potentiel infini d'évolution. Et pour nous aider dans cette évolution, il nous envoie de bons esprits, des guides spirituels, des missionnaires, qui viennent nous montrer le chemin. Et c'est un peu le but qu'on a aujourd'hui, c'est d'étudier quelques-unes de ces lois qui gouvernent le monde matériel et le monde spirituel, et qui nous permettent de comprendre comment devenir meilleur, comment évoluer, comment se rapprocher de plus en plus de ces bons esprits, comment travailler pour aider cette planète à évoluer, voire même comment mériter de se réincarner dans un monde plus évolué que la Terre. Et donc, nous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui, comme tous les dimanches matins, d'être ensemble pour pouvoir étudier ces lois, les analyser, y réfléchir, les comprendre et essayer de les mettre en pratique, de donner l'exemple. Et ainsi d'apporter notre petite contribution à cette évolution de notre planète, cette transition vers un monde de régénération. Et nous souhaitons que ces lectures puissent aussi être bénéfiques pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, que ce soit des esprits amis, familiers, qui veulent apprendre avec nous, ou que ce soit des esprits moins bien intentionnés, encore enclins au mal, qu'ils puissent eux aussi percevoir ces lois, les comprendre et que cela puisse aussi les aider à devenir meilleurs. Ainsi soit-il. Amen. Alors, bonsoir. Bonjour Marlène. À tous. Bonjour. Bonsoir Jacques. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, voilà, il y a 15 jours, on avait vu la loi de justice, d'amour et de charité. Hein, c'est la dixième des fameuses lois morales, hein, les 10 lois morales qui sont, ou lois divines ou lois naturelles qui sont dans le livre des esprits, livre 3e, et qui ont vocation à être universelles. Universelles, pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur les lois de la nature. Hein. Je vous rappelle que pour le spiritisme, le bien et le mal, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible ou ce qui est écrit dans le livre des esprits, c'est l'harmonie avec les lois de la nature. Hein. Et donc, chaque religion prêche quelque part un peu sa morale. Hein, et le spiritisme, il lui donne un caractère neutre et universel, hein, qui sont les lois mêmes de la nature. D'accord ? Et donc, sur les dix lois, ben celle-ci, la loi de justice, d'amour et de charité, c'est la plus importante. C'est pour ça qu'il y a le module suivant donc, qui parle de la perfection morale. Donc, on a vu la semaine dernière qu'est-ce que c'est que la perfection morale et donc l'outil pour y arriver, pour y accéder petit à petit par notre travail, hein, c'est la connaissance de soi. Il y a beaucoup de connais-toi toi-même, hein, du philosophe grec bien connu. Et en fait, il y a certains défauts, comme l'orgueil par exemple, qu'on s'avoue assez difficilement à soi-même, quoi, hein. Et donc, ça demande un travail pour travailler, pour déjà s'en rendre compte. Hein. Vous vous rappelez de la question 919 de saint Augustin qui disait: faites comme moi j'ai fait, hein, tous les soirs, analysez votre journée, regardez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu faire et vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez fait de mal, et pour prendre les bonnes résolutions pour avancer dans le bon sens. Hein, donc cette connaissance de soi qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on va voir un texte qui s'appelle « La perfection morale », enfin « L'homme de bien », que Kardec a d'abord publié dans une première version dans le Livre des Esprits, hein, et puis une deuxième version dans l'Évangile selon le spiritisme.
Et c'est, bon, c'est un texte qui fait quoi, 2 pages à peu près, hein, mais qui, bon, on va le voir aujourd'hui, c'est vraiment un texte, comme je le disais au début, pratique, au jour le jour, pour qu'on puisse faire justement cette analyse de soi et voir où on en est par rapport à cette perfection morale, par rapport à ces cas, à cet homme de bien. Est-ce qu'on y est, et quels sont les égards, quels sont les points sur lesquels on doit encore travailler? D'accord? Alors, hop. Donc on va donner la définition spirit de l'homme de bien et on va lister les qualités qui distinguent l'homme de bien. Alors on dit l'homme de bien, évidemment, la femme de bien, hein, c'est pas. Voilà, il faut voir le terme homme en générique. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ces petits problèmes de forme. Hein. Alors peut-être moins encore en France, mais en Angleterre, par exemple, quand on parle de l'être humain, on dit plus the man, hein, on dit plus l'homme. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pas assez neutre, quoi. Ça, faudrait parler autant de l'homme que de la femme. Et encore maintenant, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a homme-femme et LGBTQI+, hein, donc voilà, les gens, hein, c'est plus juste avec deux cases qu'il faut cocher, garçon ou fille, masculin ou féminin, c'est devenu plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, ces qualités-là s'appliquent à tout le monde, hein, et pas seulement à l'homme, à tous les êtres humains. Notion de base. Alors, le véritable homme de bien. Donc là, on rentre déjà un petit peu dans le texte. Hein, voilà, il n'est pas dans l'intégralité ici, mais on ira un peu plus bas après pour le voir. Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Donc, on a vu dans les chapitres antérieurs qu'est-ce que c'est que cette loi, qu'est-ce que c'est que la justice, hein, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la charité, et les définitions. Hein. Et donc le référentiel pour l'homme de bien, c'est justement cette loi de justice, d'amour et de charité, hein, dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur les actes accomplis, hein, donc c'est là où on retrouve la question 919 de saint Augustin, hein, qui interrogeait sa conscience tous les soirs avant de s'endormir, hein, il se demandera s'il n'a point violé cette loi ou enfreint cette loi, hein, s'il n'a point fait de mal. Alors voilà, c'est est-ce qu'on a fait quelque chose de mal. Alors, quelle est la définition du mal? C'est d'avoir fait que c'est le contraire du bien, en fait. Hein, l'amour, on a dit, c'est faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Et donc le mal, c'est on a fait aux autres ou à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Voyez? Donc, est-ce qu'on a fait quelque chose à quelqu'un qu'on n'aurait pas aimé que quelqu'un nous fasse? Donc, c'est ça la question qu'on peut se poser. S'il a fait tout le bien qu'il a pu, voilà, alors faire le bien, tout le bien qu'on peut, alors c'est sans fin, évidemment, hein, parce que la question c'est toujours de savoir où s'arrête qu'on peut. Hein. Évidemment, on peut toujours faire mieux, hein, on peut toujours se dire. Ben aujourd'hui, j'ai lu 3 livres, ben j'aurais pu en lire 5, etc. Hein, mais bon, c'est là aussi où il faut trouver ses limites, hein, qu'on peut en fonction de notre degré d'évolution aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser, commencer à se culpabiliser d'avoir pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des papiers où je mets des choses que je dois faire. Hein. Et puis, ben, malheureusement, la liste, elle a parfois tendance à s'allonger plutôt qu'à se raccourcir. Hein. Et donc, quand je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça et ça et ça, ben, souvent, je me rends compte que de ce que je voulais faire, j'ai rien fait. Il y a des jours où ça arrive, où effectivement on n'arrive pas à avancer dans la liste des choses qu'on a à faire. Non pas qu'on n'a rien fait dans l'absolu, hein, mais
Il y a beaucoup d'autres choses qui sont venues s'intercaler. On a fait pas mal d'autres choses, mais de ce qu'on voulait faire, on ne l'a pas fait. Et quand on réfléchit, ben, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah ben oui, j'ai un peu perdu du temps ici, j'ai perdu du temps là-bas, je suis resté devant la télé. Voilà. Et après, à un moment donné, bon, ben, y a tout un travail à faire pour gérer tout ça. Hein. Moi, ça m'arrive souvent d'analyser, de réanalyser. Par exemple, regarder les informations. Hein. Bon, on a parfois tendance à les regarder sur un canal, après sur l'autre, après sur le troisième. Après, vous avez des canaux qui donnent des informations de façon assez concise, mais vous avez l'essentiel. Et vous en avez d'autres qui, pendant une heure, répètent, montrent des détails inutiles, etc. Peut-être sensationnalistes, mais inutiles, sur la même information, et donc qui ne vous apporte rien, quoi. Hein. Et donc, il y a aussi cette analyse dans l'organisation de notre activité quotidienne. Hein. C'est basé sur les mêmes principes que ce qu'on apprend dans l'organisation du travail, hein, quand on est dans les activités professionnelles. De se dire, voilà, qu'est-ce qui est important, hein, qu'est-ce qui est urgent, et donc classer un peu les choses en fonction de l'importance et de l'urgence, hein, pour essayer de faire au mieux avec le temps qu'on a, hein, sachant que, quand on parle du travail, par exemple, ben, on a aussi la famille, on a les enfants, on a l'idéal qu'on veut suivre, etc. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre toutes ces activités-là. Hein. Je connais une personne, hein, qui a traduit le livre des esprits dans une autre langue, hein, une langue dans laquelle il n'avait pas encore été traduit. Et donc, c'est sûr que c'est du boulot, hein, de traduire le livre des esprits, il faut chercher à comprendre. Il ne parlait pas le français, donc il prenait le français avec le dictionnaire, ce qu'il pouvait comprendre. Ensuite, il prenait la version anglaise, il prenait la version portugaise. Il se rendait compte qu'il y avait des contradictions entre les deux. Il me demandait, enfin, vous voyez un peu le travail titanesque que c'est. Hein. Et à un moment donné, il n'arrivait plus à avancer parce qu'il travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, évidemment, ben, au niveau de la famille, c'était un peu. Ça portait préjudice aussi au niveau du travail, il était fatigué et tout. Et il commençait à culpabiliser avec des pensées du genre chaque jour qu'une personne se suicide parce qu'elle aurait pu avoir le livre que je n'ai pas fini de traduire, ça va être de ma faute, je vais être responsable. Voyez, ben, ça, c'est une forme d'obsession. Hein. Effectivement, donc on a avec un groupe brésilien dû travailler un peu pour le faire sortir de cette obsession. Il dit non, écoute, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, et donc finalement, il a pu terminer la traduction de ce livre. Et puis c'est d'ailleurs un pays où vous avez beaucoup de spirites, c'est la Finlande. Hein, vous avez beaucoup de Finlandais qui sont spirites. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à un livre aux livres de Kardec qui sont excellemment bien traduits. Hein. Donc, il a fait tout ce qu'il a pu, il aurait voulu faire plus, il a commencé à culpabiliser, et puis donc à partir de là, on fait encore moins. Voyez. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Hein. Dès qu'on commence à culpabiliser, il faut se dire, oh, attention, là, je vais trop loin, ou je veux trop en faire, je mets la barre trop haut, etc. Donc, pour trouver le juste milieu. Hein. Maintenant, c'est sûr, on est dans la rue, on voit une personne âgée ou un aveugle qui cherche à traverser la rue, on passe à côté, si on fait semblant de ne pas l'avoir vu et tout, là, c'est des petites choses qui nous coûtent très peu de temps et donc on se rend quand même compte de beaucoup de choses relativement simples qu'on aurait pu faire, hein, des occasions qui se sont présentées dans la journée, et qu'on n'a pas fait, on est passé à côté parce qu'on ne voulait pas, ou parce qu'on avait peur, ou parce que si, ou parce que ça. Il y a différents motifs qui, en général, nous poussent à passer à côté de ces occasions. Et donc, ça fait partie aussi de ce travail d'analyse et de connaissance de soi. D'accord ? Si nul n'a eu à se plaindre de lui. Alors ça, c'est, voilà, qui c'est qui aurait à se plaindre de nous? Ben, ça peut être un subordonné, un conjoint, ou quelqu'un qui voulait traverser la rue et qui nous a demandé de l'aide et nous, on a fait comme si on ne l'entendait pas.
etc. Ça me rappelle une petite anecdote de Chico que Michael Ponsardin y relate dans son livre. Il y a un jour, donc Chico, il allait pour prendre le bus pour aller au travail, hein, il n'était pas en avance. Et au moment où il voyait le bus au loin qui arrivait, il y a une personne qui est venue, « Chico, 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 je voudrais te parler. » Et il a fait comme, il voulait faire comme s'il ne l'entendait pas. Et là, Chico, il avait un garde-fou, un guide spirituel, qui s'appelait Emmanuel, qui lui disait, « Chico, tu restes et tu réponds à cette personne. » Ah bon, ben voilà, il est resté, il a répondu à cette personne, il a perdu son bus, il était encore plus en retard. Mais il a pu répondre à cette personne, lui enlever les doutes qu'elle avait, etc. Et voilà, donc il a perdu son bus, hein, et donc il attendait le prochain. Et à un moment donné, donc la personne le remercie, elle s'éloigne. Et à un moment donné, Emmanuel lui dit, ben tiens, retourne-toi et regarde voir la personne. Et en se retournant, il voit la personne, il voyait des lumières, enfin les bonnes ondes de pensée que cette personne lui envoyait. Et Emmanuel lui dit à ce moment-là, imagine maintenant si tu avais, qu'est-ce que tu aurais reçu comme onde si tu n'avais pas répondu à cette personne. Hein? Et en fait, c'est un peu ça, hein? C'est quelqu'un qui se plaint de nous, quelque part, il nous envoie de mauvaises ondes de pensée, hein? Et donc on sait que les ondes de pensée portent, hein, qu'elles font de l'effet, dans le monde spirituel, mais ça finit aussi par atteindre notre physique, hein. Et donc voilà, il vaut mieux éviter qu'il y ait des personnes qui aient à se plaindre de nous, hein, parce que indirectement ça ne nous fait pas du bien, hein, et ce sont des choses qui voilà, et c'est pour ça que moi des fois quand vous réfléchissez un petit peu à ces choses là Hein, imaginez des dirigeants, hein, politiques ou quels qu'ils soient, avec beaucoup, ou des acteurs ou des actrices, enfin des gens connus qui attirent l'attention et donc les pensées de beaucoup de personnes. Imaginez un peu le bombardement quotidien que ces personnes-là encaissent, entre guillemets. Hein. C'est pour ça qu'il faut parfois essayer de se mettre un peu à leur place, ça ne va pas être facile. Hein? Mais bon, après, c'est sûr que satisfaire tout le monde, on n'y arrive pas. Hein? On le voit très bien dans le quotidien autour de nous. Quels que soient les efforts que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui sont insatisfaits, quoi. Après, bon, on peut. Hein, c'est l'effet, en fait, des pensées sur notre mental et aussi sur notre physique, quoi. Hein? Voilà. Enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Voilà. Donc ça, c'est toujours ce même critère qu'on voit maintenant depuis la dernière et l'avant-dernière leçon. C'est quoi le bien, c'est quoi l'amour du prochain, hein? C'est faire aux autres, au prochain, ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous, même s'il ne le fait pas. D'accord? Et ça, c'est... donc ça a pour corollaire la même phrase, mais un peu au niveau un peu en dessous, hein, de dire ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous. Vous voyez ? C'est plus facile ça, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, même s'ils ne le font pas, même s'ils sont parfois ingrats, c'est l'étage d'après, quoi. C'est... Le niveau encore un peu plus haut, quoi. Là, on se rapproche encore plus de cette fameuse perfection relative vers laquelle on tend. Hein? C'est, voilà. Je vous avais montré déjà cette phrase « faire à autres ce que voudraient que les autres fassent pour nous dans les autres religions ». Je vous avais montré ça un jour ou pas? Ouais, je crois que... attendez voir, je vais essayer de voir si je le retrouve. Alors, ce sera peut-être pas en français, ce sera peut-être en anglais, mais sinon, ben, je vous le traduirai au fur et à mesure.
Alors, laissez-moi réfléchir où est-ce que c'est. Faudra que je fasse ça en français aussi. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas donné beaucoup de conférences en français. Alors, c'était en juin. Voilà, c'est ici. Alors, là. Voilà. Alors, je vous le traduis au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Attendez, je vais le mettre un peu plus grand. Voilà. Donc, vous avez Matthieu, hein? Faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Hein? Donc, ça, c'est celui qu'on vient de voir. Hein? Ensuite, vous avez dans le bouddhisme, là, vous avez, alors, la prononciation ne sera pas très bonne, hein? Udhanavarga 5.18. N'offensez pas les autres comme vous ne voudriez pas être offensé vous-même. Vous voyez, donc ça ressemble pas mal. Hein? C'est la phrase avec le degré un peu en dessous, mais qui va toujours dans le même sens. Après, vous regardez dans le Coran. Hein? Aucun d'entre vous est de vrai croyant jusqu'à ce que vous aimiez pour votre frère ce que vous aimiez pour vous-même. Ça ressemble, hein? L'idée, elle est toujours là. Le judaïsme, hein, Hillel, Talmud, Sabbat 31. Ah, alors pour le Coran, il me manque la référence. Ce qui est détestable pour vous, ne le faites pas à votre voisin. Hein? Vous avez Confucius, hein, Anaclet 15-23. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Hein? Et puis le taoïsme. Là, vous avez la référence, hein, Yinpeng 213-218. Regardez les gains de votre voisin comme si c'était vos propres gains et les pertes de votre voisin comme si c'était vos propres pertes. Vous voyez, donc, c'est juste pour vous donner. Ah, il y en a peut-être encore un, voilà, le jainisme. On devrait traiter toutes les créatures dans le monde comme on voudrait nous-mêmes être traités. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de morale universelle. Hein? Là, vous voyez que cette idée, ben, Dieu, il ne serait pas juste s'il était venu apporter ça qu'aux chrétiens, quoi. Hein? Non, c'est partout que vous alliez dans le monde, à quelque époque que ce soit, hein, vous retrouvez en fait ces mêmes enseignements. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je parle de cette morale universelle, quoi. Et si, comme le dit Kardec dans le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, hein, ce qui l'intéresse dans les évangiles, c'est justement les enseignements moraux de Jésus. C'est ça qu'on a vu et qu'on a développé, notamment quand on parle de ces lois morales, hein. Parce que l'histoire de Jésus, ce qui a servi de dogme pour la religion, les prévisions, les miracles, tout ça sera toujours sujet à controverse. Oui, mais ça n'a pas existé ou non, il n'était pas là, c'est pas possible qu'il était là et ailleurs. Mais bon, quand on voit des phrases comme celle-là, hein, faites à autrui ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, ça, personne ne les discute. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on s'entende que. Vous voyez, les Juifs et puis les musulmans à Gaza, il faudra qu'ils s'entendent sur ces. S'ils regardaient d'un peu plus près, ils verraient qu'ils sont en fait d'accord sur l'essentiel. Hein. Et ce qui les divise, ben, ce sont les pouvoirs, tout ce que l'homme est venu additionner au-dessus de tous ces préceptes de base. Hein. Y en a un qui met une soutane de telle couleur, il prie d'une telle façon, l'autre d'une autre façon. C'est ça qui divise l'humanité, c'est ça qui divise les religieux entre eux. Mais si on va vraiment au fond des enseignements, on verra que tout le monde sera d'accord. Et heureusement, parce que voilà, Jésus, il est venu pour influencer ce qui est aujourd'hui la chrétienté. Hein, mais après, ben, il y a eu Mahomet qui est venu pour parler. Donc de tout ce qui est aujourd'hui musulman, qui est quand même un quart de l'humanité. Vous avez Krishna ou d'autres qui sont venus pour l'hindouisme, Bouddha,
Jaïn, Confucius et autres, c'était tous des esprits missionnaires qui faisaient partie de la même époque, équipe, et qui sont venus donner les mêmes enseignements dans une forme différente, hein, adaptée à la culture et au temps, à l'époque où ils sont venus, dans le monde entier. Hein. Personne n'a eu de privilèges et personne n'a été laissé de côté. Donc c'est ça qu'il faut vraiment qu'on s'imprègne. Hein, et c'est cette morale que le spiritisme rappelle, hein, en prenant les évangiles comme un exemple, hein, en prenant Jésus comme un exemple de celui qu'il a de façon magistrale énoncé et aussi donné l'exemple lui-même, hein, mais en aucun cas de dire que c'est que lui et que personne d'autre a fait de bonnes choses par ailleurs. Voyez. Et si on veut avoir des dialogues pacifiques, il faut justement insister sur cette universalité. D'accord. Et surtout jamais laisser entendre que la chrétienté, c'est mieux que autre chose, parce que sinon, on recommence les erreurs des croisades, hein, qui ont fait des milliers de morts au Moyen-Âge. Alors, le temps passe, continuons un peu. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien sans espoir de retour et sacrifie son intérêt à la justice. Donc là, vous voyez, alors, la charité, en fait, une des caractéristiques fondamentales de la charité, c'est le désintéressement. Désintéressement, ça veut dire on le fait sans espérer quelque chose en retour. D'accord ? On fait le bien pour faire le bien, parce qu'on veut faire le bien, pas parce qu'on a peur d'une punition ou parce qu'on veut une récompense. Hein, ça, c'est déjà le manque de désintéressement, mais on fait tout simplement le bien parce qu'on sait que toute l'humanité, tout l'univers tend vers le bien par cette loi d'évolution. Hein. Donc, on veut se mettre en harmonie avec les lois de l'univers, donc on fait le bien pour faire le bien, point. De façon volontaire, sans y être contraint, forcé, menacé, incité ou quoi que ce soit. On le fait parce qu'on l'a compris. Hein. Donc, la charité, c'est ça. Ce n'est pas inviter quelqu'un parce qu'on sait qu'il pourra nous inviter en retour. Là, déjà, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas le désintéressement qu'il faut. Hein. Voilà. Et sacrifie son intérêt à la justice. Alors, voilà. C'est quoi l'inverse quand on sacrifie la justice au bénéfice de notre intérêt? C'est l'égoïsme, hein, c'est la caricature de l'égoïsme. Hein. Alors que là, c'est l'inverse, quoi. Hein. On dit, ce serait dans mon intérêt de faire telle chose, mais ce n'est pas juste. Donc, je renonce à mon intérêt. Hein. Ce serait peut-être dans mon intérêt personnel, mais ce n'est pas dans l'intérêt collectif. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'abnégation, hein, voir l'intérêt collectif avant son intérêt personnel. Alors moi, je suis comme Martin Luther King, hein. J'ai un rêve, je rêve du jour où tous nos dirigeants et les hommes politiques seront comme ça. Hein. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est à nous d'élever notre voix en leur disant, c'est ça qu'on vous demande, c'est ça qu'on attend de vous. Hein. Et quand on voit des fois des caricatures des gens qui, il y a une loi qui pourrait bénéficier l'humanité ou faire de sorte qu'on puisse rentrer dans un budget ou je ne sais quoi. Mais moi, je vais voter contre parce qu'il faut que je me place pour 2027. Voyez, et c'est typiquement le genre de truc. Quand je vois des attitudes comme ça, chut, celui-là, je le mets de côté, hein, parce que il voit son intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on assiste à ce jeu terrible. Hein, après, ils critiquent le gouvernement parce à cause des 49-3. Mais bon, il y a des moments où, quand les votes sont dans l'intérêt du parti ou dans l'intérêt de certaines personnes, mais qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt collectif, c'est justement pour ça, pour éviter ce genre de blocage que nos pères, hein, quand ils ont fait la constitution de la 5e République, ont prévu cet article pour pallier à des blocages qu'il y a eu dans le passé, pour éviter les blocages futurs. Et puis là, en ce moment, on est dans une période où justement,
on est très morcelé, hein, le paysage politique est très morcelé, et où ce genre de blocage, c'est un jeu quasi quotidien. Il faut savoir que, encore une fois, il faut que l'intérêt collectif prévale par rapport à l'intérêt du parti ou à l'intérêt personnel. Et donc, vous voyez qu'une des caractéristiques de l'homme de bien, c'est ça, hein, c'est quand on peut sacrifier son intérêt à la justice. Ok, cette loi, ça ne m'arrange pas parce que ça va me porter tort pour ma candidature en 2027, hein, mais comme c'est dans l'intérêt collectif, je renonce à ma candidature en 2027 et je vote quand même. Voilà, c'est ça que demande cette loi de justice, d'amour et de charité, de voir l'intérêt collectif avant l'intérêt de parti ou l'intérêt individuel. Alors, j'ai entendu un bling-bling, je ne sais pas si c'est quelqu'un. Non, il n'y a personne dans la salle d'attente. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra après. C'est moi. C'est toi, Michel ? Oui. C'était moi parce que j'ai voulu agrandir l'écran et ça l'a quitté. Parce que j'étais en train de vouloir télécharger le courant pour voir si je trouvais la sourate pour te la donner, mais je n'ai pas trouvé. Oui, ben, voilà. Enfin, mais c'est pour ça que moi, si tu veux, j'ai encore un autre rêve. C'est Kardec, il a écrit l'Évangile selon le spiritisme, parce qu'évidemment, de par son éducation et tout, il connaissait surtout l'Évangile. Hein, il avait un oncle qui était curé, etc. Enfin bon, voilà, hein, quand il était petit. Mais on devrait avoir le Coran selon le spiritisme, les Védas selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, et puis aller rechercher ces mêmes lois morales dans tous ces textes. Hein, c'est à mon avis un travail qui reste à faire, hein, si on veut justement que le spiritisme ait un peu plus d'écho dans les cultures qui ne sont pas chrétiennes. Aujourd'hui, vous avez, bon, il y a des musulmans spirites, notamment en France, hein, il y en a aussi au Brésil, hein, je connais un conférencier qui est palestinien, qui est spirite, hein, ça existe, hein, mais si on pouvait avoir ces livres complémentaires à l'Évangile, ce serait bien. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faudra essayer de réaliser un jour. Alors, l'homme de bien est bon, évidemment, humain, bienveillant pour tout le monde. Alors, la bienveillance, vous vous rappelez la définition de la charité, le BIP, hein, bienveillant, indulgent, pardon. Hein. Et donc, la bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien, hein, vouloir la paix, vouloir, comment dire, que les personnes qui sont dans difficulté puissent s'en sortir. Voilà, c'est vouloir le bien plutôt que de vouloir le mal, voyez, ou d'avoir des sentiments de haine ou de jalousie, des choses comme ça. Hein. Parce qu'il voit des frères dans tous les hommes, sans exception de race ni de croyance. Donc là, vous voyez que on est vraiment dans... Le spiritisme s'oppose à quelque discrimination sous quelque forme que ce soit, d'accord ? Tous les hommes sont des frères, qu'ils soient blancs, grands, petits, noirs, juifs, musulmans, chrétiens, tous sont des frères, tous sont des créatures comme nous. Nous-mêmes, on a pu, dans des vies passées, faire partie de ces cultures-là, et où dans une vie prochaine, on peut y retourner. Donc, on est tous pareils, hein, Alors qu'à l'époque de Kardec, c'était assez révolutionnaire de dire ça. Aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux, évidemment. Hein. Mais à l'époque de Kardec, la science officielle admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. La science était raciste, hein, la science officielle. C'est pour ça que quand Kardec cite la science sur ces sujets-là, parfois on peut le critiquer. On dit « ouais, mais non, faut aller au fond des choses ». Il ne fait que citer la science de l'époque qui était raciste. Et heureusement, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Hein. Grâce d'ailleurs, entre autres, au spiritisme, qui est un des plus grands stimulants contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Voilà. Et donc ça change. Vouloir le bien pour tout le monde, c'est aussi assez difficile
à appliquer aujourd'hui, hein, vous voyez, toutes ces questions qu'on a d'immigration, de guerre, faut, quand on y réfléchit, ce n'est pas évident. Hein. Des fois, bon, on se met dans la peau de toutes ces personnes, beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui risquent leur vie pour traverser les mers et essayer d'avoir une vie un peu plus digne que ce qu'ils ont dans le pays où ils sont, hein. Ça pose tout un tas de problèmes. C'est au centre des débats politiques, malheureusement. Hein. Ça préoccupe beaucoup de gens. Mais effectivement, il faut qu'on prenne du recul, justement, pour voir leur réalité. Se dire, quand je vois... alors, notre ami Géraud, il est pas là aujourd'hui, mais... il m'envoie de temps en temps des textes qui montrent ce qui se passe là-bas. Hein, donc lui-même, il est professeur, je crois, de mathématiques. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été payés. Enfin, il y a des choses qui sont inimaginables et pourtant qui se passent encore dans ces pays-là, quoi. Donc voilà. Alors vouloir le bien, ça veut dire avoir un peu de pensée, de compassion, et puis de travailler pour essayer d'améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Mais malheureusement, on se heurte aussi à hein, je vous avais dit, il y a en gros, c'était 700 millions, maintenant on parle plutôt de 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde ou qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Hein. Et donc, quand on essaie de voir où sont ces gens, plus de 50% de ces gens sont... dans une douzaine de pays, en gros. Et quand on regarde ces douzaines de pays, si vous prenez par exemple le classement des pays suivant l'indice de perception de corruption de Transparency International, tous les pays sont dans les deux dernières colonnes qui sont les plus corrompus. Hein, donc on voit qu'il y a un lien direct entre la corruption dans un pays et la famine. C'est-à-dire que l'aide internationale, elle est souvent là. Mais vous voyez, à Gaza, elle n'y arrivait pas parce qu'ils ne faisaient pas de trêve, parce que les humanitaires se prenaient des bombes, etc. Et dans ces pays corrompus, l'aide n'arrive pas parce qu'elle est déviée par la corruption avant qu'elle n'arrive à ceux qui en ont vraiment besoin. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça voudrait impliquer ? Ça voudrait impliquer que il faut qu'on milite, militer par exemple dans des associations de lutte contre la corruption, comme Transparency International, mais il y en a beaucoup d'autres, pour travailler et dire non, il faut agir pour réduire et stopper cette corruption. Hein. Autant au niveau des corrompus, hein, du genre essayer de leur couper les vivres d'une façon ou d'une autre, que de ceux qui corrompent, hein, les corrupteurs. Comment on dit corrupteur ou corrompeur, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, ceux qui corrompent. Voilà. Et moi, j'ai vu une évolution assez fantastique qui a eu lieu. Donc, les choses vont quand même dans le bon sens. J'ai travaillé dans l'industrie avec des grands projets. Et bon, c'est sûr que dans les premières années où je travaillais, tout le monde savait que dans certains pays du monde, même en Europe, hein, pour des pays qui font partie aujourd'hui de la communauté européenne, on n'arrivait pas à avoir un contrat sans qu'il y ait, comment dire, sans mettre un peu d'huile, entre guillemets. Et ça, c'était pendant les 10-15 premières années où j'ai connu ça. J'ai jamais voulu m'en mêler. J'ai toujours dit à mon chef, ne demande pas ce genre de truc parce que moi, je ne le ferai pas. Ça contrarie ma conscience et j'ai toujours réussi à rester en marge. Et au bout d'une... C'est surtout quand les Américains, ils ont commencé à faire une loi qu'ils appellent la loi d'extraterritorialité. C'est-à-dire que si, par exemple, un Français corrompt quelqu'un dans un pays africain en lui donnant des dollars, comme le dollar c'est américain, les Américains ont le droit de condamner le Français qui a corrompu, voyez. Et donc, ça, il y a eu pas mal de personnes qui ont commencé à être prises, emprisonnées, des entreprises qui ont dû payer 10% de leur chiffre ou 20% de leur chiffre d'affaires, donc c'est des millions, parfois des centaines de millions,
en amende parce qu'ils ont été pris avec la corruption. Les mails avec le projet Echelon et tout, que tout le monde, voilà, tout le monde pensait les mails confidentiels, personne ne le verra et tout, alors qu'en fait, tout le monde les voyait, hein. Et depuis, hein, surtout au début des années 2000, beaucoup d'entreprises ont fait énormément, ont mis des normes pour dire c'est strictement interdit, on ne veut absolument pas que ce genre de pratique chez nous. Hein, donc, vous voyez, par la force des choses, on avance, hein, mais malheureusement, après, bon, c'est sûr, ce sont des entreprises. Après, si, comment dire, si la corruption se fait en rouble ou quelque chose comme ça, c'est encore un peu plus difficile à attraper. Mais n'empêche que il faut qu'on continue dans ce sens, quoi, pour essayer de travailler, hein, pour que tout le monde puisse avoir des conditions dignes, de vie digne dans leur pays, et notamment que les conflits cessent. Si Dieu lui a donné à l'homme de bien, hein, la puissance et la richesse, il regarde ces choses comme un dépôt dont il doit faire usage pour le bien. Il n'en tire pas vanité, car il sait que Dieu, qui les lui a donnés, peut les lui retirer. Donc ça, c'est la vision spirit. Hein, et qu'est-ce qu'on doit faire comme usage des biens de la terre ? Voilà. Est-ce que quand on gagne beaucoup d'argent, il faut s'acheter les villas et avoir 5 Ferrari et 5 Lamborghini ? Bon, non, pas vraiment, quoi. Hein, il vaut mieux faire des fondations, il vaut mieux faire des organismes caritatifs, il vaut mieux investir pour construire des usines, pour donner du travail aux gens, construire des infrastructures, travailler pour la recherche et le développement, pour avoir des nouveaux médicaments, des facilités pour la communication, etc. etc. Vous voyez, l'utilisation de la puissance et de la richesse. Donc, le spiritisme ne dit pas que ce n'est pas bien d'être riche. Le spiritisme dit, si vous êtes riche, prenez la richesse comme quelque chose d'un prêt, hein, un dépôt. Ne prenez pas ça pour acquis. Le jour où vous mourrez, toute cette richesse restera ici. Donc, faites-en le meilleur usage possible aujourd'hui pour le bien. Voilà ce que le spiritisme dit aux riches. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance parce qu'ils sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser par son orgueil. Est-ce que vous avez tous des chefs comme ça ? Ce serait bien, hein, d'avoir que des chefs comme ça. Et quand on est chef, bon ben, là, pareil, on s'efforce, on fait au mieux, quoi, hein. Toujours traité avec bonté, bienveillance, cette fameuse bienveillance, vouloir le bien. Hein, parce que même si aujourd'hui, on a des personnes sous notre dépendance, demain, on peut très bien être dépendant d'autres personnes. Donc, c'est toujours ce même raisonnement. On fait aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous si on était à leur place, quoi. Hein. User de l'autorité pour relever leur morale, pour les encourager, pour... et non pas pour les écraser par notre orgueil. C'est pas le pervers narcissique, tout le monde a ma botte, j'ai plus besoin de toi, je te mets à la poubelle. Voilà, on voit malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Il est indulgent pour les... Parce que ouais, la richesse et puis la puissance, évidemment, ce sont des choses qui flattent notre orgueil. Et c'est là où il faut toujours... garder, même si on acquiert soit des ressources matérielles, soit un pouvoir, chercher au maximum à garder cette humilité, quoi. Hein? Même, alors, ça s'applique aussi dans des cas comme, je cite beaucoup Chico quand on parle d'humilité, hein. C'est sûr, avec tous les livres qu'il a écrits, il aurait pu gagner énormément d'argent, il aurait pu être très fameux, être à la une de tous les journaux, etc. Non, il n'a pas voulu, il est toujours resté dans sa petite maison, dans son coin, à faire son petit boulot et à ne pas demander un seul centime, à tout donner pour des œuvres caritatives, etc. Quoi. C'est vraiment l'exemple type. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait que lui-même a besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Hein, c'est la phrase que Jésus avait prononcée quand il était...
quand il était tombé, enfin quand on l'avait mis devant cette femme adultère qui était sur le point d'être lapidée. Hein. Donc les femmes adultères étaient lapidées selon la loi de Moïse, hein, la loi qui gouvernait les Hébreux, qui était quand même encore un peuple assez sauvage à l'époque. Hein. Et d'un autre côté, en contradiction avec « tu ne tueras point ». Hein, donc, toi, tu nous dis quoi là? Nous, la loi nous dit de lapider cette femme parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Hein, et c'est là où Jésus, il a pris un bâton, il a écrit dans le sable, hein, c'est la psychographie, et il a répondu ça, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et en fait, ils sont tous partis. Hein, donc, on est tous imparfaits, donc on fait tous des bêtises, hein, on commet tous des péchés, entre guillemets. Hein, et donc, nous, on a besoin d'indulgence. Donc, pourquoi est-ce que nous qui avons besoin d'indulgence, on refuserait cette indulgence à autrui? Hein, faut faire à autrui ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Hein, ce critère, il s'applique pratiquement partout. Hein. Et donc, l'indulgence, c'est le i du bip, hein, de la charité. Il n'est point vindicatif. Alors ça, la vengeance... La vengeance, comment on dit en français? La vengeance est un plat qui se mange froid, hein, c'est ça? Je crois que c'est... ça, c'est typiquement la vengeance froide et préméditée, comme on dit. Hein. Quand quelqu'un fait une bêtise sur un coup de tête ou sans réfléchir ou quelque chose, il a des circonstances atténuantes, on est bien d'accord. Mais celui qui se venge de façon froide, calculée, préméditée, il n'a pas les mêmes excuses, il n'a pas les mêmes circonstances atténuantes, il est beaucoup plus coupable que celui qui l'a agressé. D'accord? Donc la vengeance, c'est un truc qu'il faut vraiment rayer de notre paysage mental. Hein. À l'exemple de Jésus, il pardonne les offenses pour ne se souvenir que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. C'est toujours cette loi de réciprocité, hein. Qui s'applique. Et Jésus, qui était venu pour nous aider, hein, on a fait la pire des choses avec lui, on l'a mis sur une croix, et quand il était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, » Le peuple était fanatisé, et s'était laissé embobiner par ses courants, etc., en disant « Ben non, c'est Jésus qu'il faut crucifier, pas Barabbas, quoi. » Non, c'était l'exemple de l'époque de Jésus qui a trouvé la force, justement, de nous pardonner. Donc, c'est un autre une question que font beaucoup les Brésiliens, parce que c'est sûr, ils connaissent bien les évangiles, peut-être mieux que nous, enfin que moi en tout cas, quand ils disent quand je suis dans le doute, dans une situation donnée, je me pose la question, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Hein, c'est une manière de voir les choses. Hein, donc, qu'on peut essayer d'utiliser comme référentiel, ou au moins pour réfléchir un peu et éviter de parfois réagir trop vite à chaud. D'accord? Il respecte enfin dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Donc là, vous rappelez, c'est la loi de justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le respect des droits d'autrui. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est plus de la liberté quand elle empiète sur la liberté du prochain. Hein, la liberté a des limites. Elle s'arrête là où elle enfreint la liberté du prochain. Donc c'est lié à cette notion. Hein, le droit à la vie, le droit à exister, le droit à avoir des conditions de vie dignes. Hein, on ne peut pas. Il faut qu'on les respecte, ces droits. Hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des immigrants. Ben, il faut vraiment qu'on travaille, qu'on œuvre, soit à ce qu'ils puissent avoir des conditions de vie dignes dans leur pays, ou alors, en attendant qu'ils puissent trouver ces conditions de vie dignes, c'est quelque part de les aider, de les accueillir, même si c'est temporaire, etc. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis, là, ils parlent beaucoup d'immigration en ce moment, mais les États-Unis, c'est pratiquement une population qui est composée exclusivement d'immigrés, on est bien d'accord. Hein? C'est quoi les natifs des États-Unis? C'est les populations, les Indiens, quoi. Hein?
Et ça représente quel pourcentage de la population? C'est un pourcentage très faible. On parle beaucoup dans les élections des Latinos, mais les Latinos, c'est quoi? C'est tous des immigrants. Hein? C'est ce qui fait les États-Unis qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à tous ces immigrants qui étaient là-bas. Des Français en Louisiane, voilà. J'étais surpris de voir, par exemple, quand j'ai cherché mes homonymes dans le monde, hein, des Charles Kempf, j'en ai trouvé un au Texas. Hein, hein. Et donc, c'est là où on voit que tous les gens qui. La misère qui existait en Europe à l'époque où il y avait des dictatures, hein, ben, l'Irlande où les gens mouraient de faim, hein, ben, ils prenaient des bateaux, ils allaient traverser l'Atlantique, ils passaient devant la Statue de Liberté, hein, oui. Et puis donc, on leur donnait une occasion, une opportunité. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'espace, il y avait des terres à louer, etc. Donc, mais le résultat des États-Unis aujourd'hui, c'est ça. Hein? Et même quand on regarde la France aujourd'hui, l'usine Peugeot, elle est à Sochaux ou à Mulhouse, donc c'est pas loin de chez moi. Mais il n'y aurait pas eu toute l'immigration qu'on a eue dans les années 50 et 60 ou même 70. Peugeot ne serait pas ce qu'il est sans tous ces travailleurs qui ont travaillé pour eux et qu'on voit aujourd'hui en tant que retraités autour de nous, quoi. Et la deuxième et troisième génération, il y a encore le nom qui est de consonance, mais ils ont une culture ils sont parfaitement intégrés, quoi. Hein? La même chose pour les Portugais, hein, et les Espagnols qui fuyaient le franquisme ou les dictatures de Salazar et qui sont venus. Qui compose aujourd'hui notre paysage. Hein, donc, il faut jamais perdre toutes ces choses-là de vue, hein, en disant que on est en fait tous égaux devant Dieu. Hein, voilà. Et un des droits fondamentaux, ben, c'est la Déclaration des droits de l'homme, hein, qui est d'ailleurs bien faite. Hein, et un des premiers droits, ben, c'est le droit à la vie. Le droit à avoir une éducation, le droit à avoir des conditions de vie dignes. Hein, voilà, donc c'est les droits qu'il faut qu'on respecte envers tout le monde. D'accord? Alors, on a terminé le résumé, il nous reste encore 5 minutes. Voilà. Alors, il y a certains, ça a été abrégé, donc vous avez aussi je vous conseille de le lire en entier. Hein, c'est Livre des Esprits, question 918, c'est ça? Oui, c'est ça, question 918. Et vous avez le même dans l'Évangile selon le Spiritisme, le chapitre Soyez parfait. Hein. Vous avez l'homme de bien. Après, vous avez aussi un autre chapitre qui est intéressant, c'est les bons spirites. Et donc, dans l'homme de bien, il y a aussi cette phrase-là qui dit: Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toute chose à sa volonté. Donc, c'est là où on voit que pour que vraiment on puisse se transformer en homme de bien, hein, il faut qu'on ait des bases, il faut qu'on ait des repères. Hein. Et un de ces repères, c'est justement l'existence de Dieu. Hein, c'est pour ça que Kardec commence le Livre des Esprits par ça, la question fondamentale, qu'est-ce que Dieu? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Hein? Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Et s'il existe, quels sont ses attributs? Hein, le Livre des Esprits commence par là. Et donc, le fait de connaître ça d'une façon non pas dogmatique, religieuse, mais rationnel expliqué, hein, par là, il n'y a pas d'effet sans cause, donc il faut bien qu'il y ait un créateur, une cause première de toute chose, hein, comme il est dit dans la définition, hein, de par la loi de causalité qui est admise universellement, on arrive à cette nécessité d'une cause première qui est Dieu. Hein. Et donc, à partir du moment où il existe, ben, il est infiniment juste, il est infiniment bon. Hein, et c'est ça qui nous permet de comprendre. Où va l'univers, hein, et aussi de comprendre l'origine de tout ce qui paraît ne pas coïncider comme cette justice et cette sagesse, donc le mal déjà, hein, qui est le résultat d'une action de l'humain, et pas
une volonté de Dieu ou ni quelque chose que Dieu laisse faire. Hein. Dieu y donne le libre arbitre et c'est l'homme ou l'humain par le mauvais usage de son libre arbitre qui fait le mal. D'accord? Et donc pour le reste, à partir du moment où Dieu est juste, hein, ça nous donne une base philosophique pour raisonner. Hein. Si on dit, si on se trouve dans une situation, oui, mais pourquoi moi? J'ai la poisse, je suis né sous une mauvaise étoile, c'est pas de ma faute. On se rebelle quelque part contre Dieu parce qu'on dit c'est la faute à pas de chance. Donc ça voudrait dire quelque part que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste, il est infiniment juste. Donc il y a une erreur dans le raisonnement quelque part. Hein. Et donc si on subit quelque chose, si on a des épreuves à surmonter, c'est pas par la faute à pas de chance, c'est parce que soit c'est la loi de cause à effet, hein, on subit les conséquences de ce qu'on a fait dans le passé, soit c'est un choix que nous-mêmes on a fait justement pour nous aider à évoluer. Mais pour ça, il faut avoir justement une soumission, hein, une résignation, hein, et de voir l'adversité comme étant une opportunité pour grandir, pour devenir meilleur, pour évoluer, et non pas comme quelque chose, comme une injustice qui s'applique à nous. Voyez, selon la manière dont vous prenez les choses, vous aurez beaucoup plus de force pour y faire face ou pas. Et donc, ça, ce sont le fait de cette phrase-là explique bien que quand on comprend Dieu, hein, quand on comprend ses attributs, eh ben, on comprend mieux les épreuves qui peuvent nous arriver et quelque part, plutôt que de se révolter, ce qui nous met dans une situation stérile, quoi, qui ne résout pas le problème, ça nous encouragera à retrousser les manches et à dire bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire face à ça, pour surmonter cette difficulté, cette épreuve. On est dans des conditions beaucoup plus favorables pour y faire face que si on se plaint, si on se place en victime, etc. La foi en l'avenir, hein, ben on sait vers où on va. Les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Donc là, la deuxième, une grande base qui est nécessaire, c'est Dieu. La deuxième grande base qui est nécessaire, c'est de croire en l'existence de l'âme et son immortalité. D'accord? Donc c'est en gros sortir du matérialisme. Parce que le matérialisme, lui, j'ai qu'une vie, donc il faut que j'en profite un maximum, donc il se fiche pas mal du prochain. Alors que quand on est spiritualiste, hein, qu'on voit qu'on sait très bien qu'un jour on peut être dans la place de notre prochain, on voit les choses de façon complètement différente. D'accord? Et on voit que les richesses matérielles, la maison, la voiture, on n'emmène rien. Parfois même dans une même vie, comme on le voit en ce moment en Espagne, hein, hop, on perd la maison, on perd les voitures, on perd tout suite à une journée de pluie, une pluie immense. Mais alors c'est sûr, c'est très dur pour toutes ces personnes. C'est là où on voit la fragilité de tous les biens matériels. Ce qu'on a aujourd'hui, demain, on ne l'aura peut-être plus. Hein, je ne sais pas, un météorite qui tombe. Alors tellement de choses qui arrivent, même hein, une inondation comme on vient de le voir, et qui fait qu'en fait, on perd beaucoup des choses matérielles qu'on avait. Alors que les biens spirituels, c'est-à-dire ce qu'on a acquis en connaissance intellectuelle, en bonté, en moralité, ça, on ne le perd jamais. Ce sont des choses, une fois que c'est acquis, on les garde, on les emmène avec nous, même après la mort. Donc, sur quoi on veut donner plus de valeur? Sur ce qu'on sait qu'on va perdre un jour, tôt ou tard, ou sur ce qu'on sait qu'on va garder éternellement? Donc, le bon sens nous pousse vers la bonne réponse. Toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions, toutes les sont des épreuves ou des expiations, et il les accepte sans murmure. Ah, c'est dur hein, de dire ça à quelqu'un qui souffre. Ah ben, tu dois accepter ta souffrance sans murmure. C'est dur, on peut pas le dire comme ça. Hein. Mais quand on réfléchit justement à cette infinie justice et bonté de Dieu, à la loi de cause à effet, etc., on se rend compte qu'effectivement, c'est vrai. Hein. Donc, il faut pousser à la réflexion pour se rendre compte de ça. Se plaindre, ça n'a jamais... ça ne nous aide pas. Il y a un conférencier brésilien qui parlait l'autre jour de l'habitude misérable qu'on a de réclamer.
Si vous avez une personne parmi vos proches qui réclame tout le temps, c'est pas facile à vivre. Hein. C'est des personnes qu'on cherche même plutôt à éviter, quoi, hein, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que ben, elles n'ont pas compris ce genre de choses, quoi. Réclamer, réclamer. Bon, des fois, je sais qu'il faut. Faut pas non plus se laisser faire complètement, quoi. Hein. Notamment dans tout ce qui est commerce ou ce genre de choses. Mais après, réclamer, j'ai un cancer, pourquoi moi? Ça ne sert pas à grand-chose. Réclamer contre Dieu, ça ne sert à rien. En fait, en réclamant contre Dieu, on s'enfonce encore plus. Voilà, donc ça, on l'avait vu. Trouver sa satisfaction dans les bienfaits que l'homme de bien répand, dans les services rendus, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, cette abnégation qu'on a vue tout à l'heure, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Bien, voilà. Ça, on l'a vu aussi. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça aussi, c'est pas toujours simple à appliquer, hein. Quand on voit des matérialistes en face de nous, bon, ben, faut. Vous savez, un matérialiste ou un athée qui fait du bien, mérite le respect. Celui qui, au contraire, exploite, fait du mal, etc., c'est autre chose, quoi. Mais si on regarde de l'autre côté, le spirit, qui avec toutes ses connaissances, qui fait rien, voilà. Ben, Jésus, il avait dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et là, le pardon sera plus difficile parce que le spirit, en principe, il sait ce qu'il fait. Ou ce qu'il devrait faire, et s'il ne le fait pas, il aura moins de circonstances atténuantes. Hein. Alors, encore une fois, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va devenir des saints. Hein. C'est pour ça que Kardec a écrit que le vrai spirit se reconnaît aux efforts qu'il fait pour dompter ses défauts, ses mauvaises inclinaisons. Il ne se reconnaît pas au fait qu'il soit parfait. Parce que de parfait, comme on l'a vu dans le cours précédent, la perfection absolue, c'est que Dieu. Nous, on arrive à une perfection relative. Et donc là, on a des pistes et des axes et des réflexions qui nous permettent justement d'avancer petit à petit vers cette perfection relative. Voilà, en toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété même légère quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Alors la clémence du Seigneur, encore, elle s'exprime par notre conscience qui nous travaille. Hein. Ce n'est pas le Seigneur qui dit « t'as mal fait », etc. C'est nous-mêmes dans notre conscience qui avons mauvaise conscience et hein, comme je le dis souvent, le jour où on meurt, il n'y a pas Saint Pierre ou Saint Paul qui nous dit « toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche ». Notre juge, ce sera notre propre conscience. Et notre bourreau, hein, qui parfois nous fait tomber dans le seuil, c'est aussi notre propre conscience. Hein. Il n'y a pas besoin d'influence extérieure pour ça. C'est tout simplement l'application des lois de la nature, qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, pas de haine, pas de rancune, pas de désir de vengeance. Hein. Voilà. Indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce qu'il sait qu'il est lui-même faible et qu'il a besoin d'indulgence. Hein. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Intéressante aussi cette phrase, hein, parce que combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont toujours besoin de rabaisser les autres pour s'élever, hein? Combien de la fameuse théorie de la projection qu'on a en psychologie, hein, la personne qui voit des défauts chez les autres, ben souvent, c'est des défauts qu'elle a elle-même et qu'elle ne veut pas se voir en elle-même. Et c'est pour ça qu'elle voit toujours ses défauts chez les autres. Hein? Et puis, il y a des personnes qui éprouvent un plaisir à monsieur, 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 à dénoncer, etc. Hein? Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas dénoncer. Il dit, si la nécessité l'y oblige, hein, parfois.
si on voit un pédophile ou si on voit quelqu'un qui maltraite des animaux ou quelque chose comme ça, on peut, faut pas non plus rester en se disant non, non, par charité, je vais me taire. Non, ça, c'est pas de la charité bien comprise. La charité bien comprise, c'est de se dire il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être ses victimes ou beaucoup d'animaux qui peuvent être ses victimes, donc il faut voir l'intérêt du grand nombre et peut-être même l'intérêt de la personne qui commet ce genre de barbarité pour faire de sorte qu'il soit mis dans des conditions pour lui éviter de récidiver, quoi, hein, autant que faire se peut. Donc il y a des moments où on est obligé de dénoncer même les défauts d'autrui, mais en essayant toujours de le faire de façon discrète, hein, de ne pas aller le crier sur les toits, etc. Hein, mais voilà, et puis de chercher éventuellement les bons côtés de cette personne qu'on pourrait développer. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit ni ses talents aux dépens d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Voilà, on est vraiment dans l'abnégation pure. Il ne tire aucune vanité de sa fortune ni de ses avantages personnels parce qu'il sait que ça peut lui être retiré du jour au lendemain. Il use mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra compte et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il puisse en faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Chaque fois qu'on lit des phrases comme ça, il y a des images qui nous viennent, des exemples, hein, mais bon, c'est... Il faut que... Il y a des exemples qui sont caractéristiques qui nous permettent effectivement de bien comprendre, mais il faut toujours se dire que, en dehors de ces exemples caricaturaux, entre guillemets, il faut voir si on n'a pas des fois un peu ça aussi en nous-mêmes, mais d'une façon un peu plus voilée, un peu plus atténuée. Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Voilà, donc c'est Évangile selon le spiritisme, chapitre 17, item 3, si vous voulez le relire calmement. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Or la charité, point de salut, hein, c'est pas or le spiritisme, point de salut. Et donc le but du spiritisme, c'est pas d'imposer ce genre de choses. Hein, où... Il y a des groupes spirites hein, qui sont, je dirais, un peu plus incitatifs, hein, qui encouragent, entre guillemets, leurs participants à écrire dans un petit carnet ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal chaque jour. Et au bout de 6 mois ou 1 an, le petit carnet, il est revu avec certains des dirigeants du groupe. Ça existe. Mais bon, ça va trop loin. Le spiritisme n'encourage pas à ça. C'est un peu une forme de confessionnal moderne. Donc, non, ça, c'est... le spiritisme, il nous encourage à comprendre ces choses et à nous encourager à ce qu'on les mette en œuvre de nous-mêmes de façon libre, réfléchie et autonome, et pas de façon imposée, contrainte et forcée ou hétéronome. D'accord? Et c'est toute la différence, c'est une des différences principales entre le spiritisme et les autres courants de religion traditionnelle, quoi. Mais après, on se dit, bon, quand on voit toutes ces choses-là, le jour où vraiment, comme le dit Kardec, la majorité de l'humanité s'efforcera de posséder ces qualités qu'on vient de voir, le monde aura bien changé. Hein. Il n'y aura plus de guerre.
Donc c'est pour ça que Kardec a écrit ces textes, c'est pour ça que on les divulgue, on les encourage, on les soumet à l'appréciation, à l'analyse de chacun. Donc c'est quelque part, ça nous aide à faire ce travail de réforme morale, comme on dit, quoi. Voilà. Je vous trouve bien silencieux aujourd'hui. Il y a Vincent qui nous manque un peu parce que lui, il réagit souvent par rapport à ces questions-là. J'ai d'ailleurs pas eu de nouvelles de lui. Hein. Je lui ai écrit sur son. Je vais un de ces quatre essayer de lui téléphoner hein, parce qu'il a fait une. Il avait un souci de santé. J'espère. Enfin voilà. Continuer à le laisser dans nos prières pour qu'il se récupère, pour qu'il aille mieux. Voilà. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je suppose que pas de commentaires, pas de remarques, on va s'arrêter là. Il y a un autre paragraphe que je vous encourage à lire, c'est dans l'Évangile, ça vient juste après le Bon Spirit, hein, qui est un petit peu la déclinaison de tous ces principes généraux en fonction des connaissances qu'on peut déjà avoir acquises et qui est très intéressant aussi à lire. J'ai mis un petit texte dans la conversation pour ceux qui ont du mal à lire. Est-ce que vous l'avez vu, Charles? Alors, pour ceux qui veulent agrandir l'écran de lecture, en bas à gauche, dans un rectangle gris, Charles Kempf, il y a un plus et un moins dans l'autre rectangle gris. Il suffit de cliquer dessus. Ouais, on peut le zoomer. Oui. On peut, hein, souvent, il y a le petit symbole hein, qui montre plein écran. Et puis ensuite, le symbole qui montre écran réduit. Et on peut, je ne sais pas si sur Zoom, on peut épingler. Si, vous pouvez faire, regardez, à côté de Charles Kempf, si vous y allez, il y a un petit rectangle qui s'ouvre avec un plus et un moins. Si vous cliquez sur plus, votre écran s'agrandit de lui-même. Voilà. Et il y a les trois, enfin moi je vois trois petits points et puis un marqué épingler pour moi. Donc, on peut épingler, c'est-à-dire de mettre l'image en plus grand. Est-ce que ça marche pour vous tous? Il doit y avoir la même chose pour l'écran partagé. Non, mais, enfin, moi, je le vois différemment, mais chez vous, vous devez voir l'écran qui prend l'écran partagé qui prend les deux tiers, et puis après, vous avez des images en colonne. C'est ça. Bah, c'est-à-dire que l'écran, il s'agrandit ou bien il se rétrécit selon ce qu'on appuie sur plus ou moins. Voilà, après vous pouvez effectivement l'agrandir encore plus. Oui, ça fonctionne. Ah, merci beaucoup. Après, sur les téléphones, c'est pas toujours tout à fait pareil. Hein. Vous n'avez pas tous les écrans sur un écran. Il faut parfois balayer pour avoir écran 2, écran 3. Hein. Oui. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour toutes ces indications, tous ces conseils, et que nous puissions y réfléchir, toujours pareil, hein, pour avancer sur notre chemin évolutif, pour travailler à tous les jours, nous défaire des défauts qui nous restent, orgueil, égoïsme, colère, haine, vengeance, etc. Et travailler pour acquérir les vertus qui sont opposées, donc charité, humilité, altruisme, abnégation, bienveillance, indulgence. En espérant que ce cours d'aujourd'hui ait aussi été utile pour les esprits qui étaient avec nous. Merci. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche. Hein. La semaine prochaine, on verra, donc on sera le 10 novembre, et on verra le module suivant qui parle « Espérance et consolation, peines et jouissances terrestres et futures hein. ». Donc, on rentre dans la loi de cause à effet, hein, en disant… Pour justement nous comprendre, comme on en a parlé un peu aujourd'hui, les douleurs, les épreuves, les situations difficiles, quelles seront les conséquences, sur quoi se fondent justement les espérances qu'on peut avoir d'une vie meilleure. Voilà, ben, excellent dimanche, excellente semaine, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Charles. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Très bon dimanche.
Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.